Allez, on va revenir en France et précisément dans les Vosges ce matin avec un effet secondaire du Covid qui est, faut le dire, plutôt surprenant. Et odorant. Oui, des producteurs de Munster qui n'arrivaient plus à écouler leur production ont un petit peu oublié un stock qui s'est affiné tout seul. Ils ont ainsi créé un nouveau fromage qu'ils ont eu la bonne idée d'appeler le confiné. Arthur Elmbacher a rencontré le couple Vaxler au milieu de ses vaches. Alors là, c'est des vaches de race vosgienne, donc notre race locale du massif des Vosges. Donc là, elles montent dans une parcelle, elles vont monter à peu près 80, 100 mètres de dénivelé. Alors en fait, pendant le confinement, nos ventes ont diminué de 80%. Et donc, on a voulu laisser un lot de Munster de côté dans la cave. Il a pris son goût, son arôme à lui. Donc, c'est un fromage un petit peu sec, un peu crayeux, légèrement coulant sous croûte. Comment est venue l'idée du nom? Ça, c'est ma femme, pour l'histoire là. C'est vrai que le nom était assez marrant de l'appeler le confiné. Bonjour, vous avez goûté, monsieur? Pour moi, c'est le petit-déj. Avec quoi? Ouais, trempé dans le chocolat, c'est parfait. Vous, madame, ça va l'air de... Pas du tout, non. Moi, petit-déjeuner, le fromage, c'est pas possible. Non, moi, ça serait plutôt le soir et... un petit verre de vin entre amis et ça peut être sympa. C'est très sympa pas. Ce nouveau fromage. Moi je veux bien essayer. On va demander à Arthur Elmbacher de nous en envoyer un petit peu quand même ici à la rédaction, notre correspondant dans l'air.